Alors, re tout le monde, ben, on va faire des prédictions Europe, hein, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que ça bouge pas mal en Europe. Enfin, c'est le sentiment que j'ai que ça bouge pas mal, même si on n'est pas au courant. Hein, vous savez très bien que les médias nous diront pas que y a des problèmes dans différents pays. Mais bon, hein, j'ai quelques personnes. En l'occurrence, Walt Kindid qui m'a dit qu'en Allemagne, ça commençait à péter. Voilà, ça commence à devenir un peu folklorique, quoi. Donc, allez, le 9, soleil. 1, 2, 3, 4, 9. La justice en droit. Le 11 pour Ludovic et Michel. 1, 10, 11. Ah, ben ça m'aurait étonné, la fertilité en verre. C'est-à-dire que ben, la production industrielle continue de chuter en Europe. Mais bon, on fait avec. Le 4 pour Petit Christophe et Liliane. 1, 2, 3, 4. Le grand prêtre en verre. Le 15 pour Martine et Matou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La dame en droit. Le 8 pour Alain, Cécile, Walkindid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chariot en vert. Ah, en droit, pardon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'important. Je serais pas surpris que la mère von der Leyen se casse. Oui, bonne question. Mimis, enfin, le 22 pour Mimis et Michel. 21, 22. Le magicien en droit. Le 14 pour Yves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La lune en vert. Le 12 pour Gatoline et Mystère Guerrière. La Renaissance en droit. Et pour finir, le 16 pour Stéphane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et nous avons le fou en droit. Alors, vous voyez, ça vient de faire tilt dans ma petite tête. Voilà, je serais pas surpris qu'à la suite des événements qui va se passer, la mère von der Leyen se barre, elle donne sa démission, et chose étonnante, comme il y en a un qui voudrait être président de l'Europe, c'est-à-dire Monsieur Macron voudrait être président de l'Europe, de Bruxelles. Je serais pas surpris qu'il donne sa démission pour essayer d'être président de Bruxelles. Donc ça va être en France, ça va être un peu le bordel, quoi. Donc voilà, moi ça me titille quelque part. Bon, bien entendu, hein, l'Europe continue à se casser la gueule financièrement et industriellement. Malheureusement, il va y avoir encore plus de chômage en Europe, plus qu'autre chose. Et là, voilà, à cause de quoi, bah, augmentation des le prix de l'électricité et du gaz, ça devient de l'aberration totale, hein, on peut le dire. Donc voilà, c'est moi, voilà, il faut s'attendre à ce que ça soit vraiment un bouleversement énorme au niveau de l'Europe. Même si malheureusement bah, on va en chier pendant un certain temps, ça faut pas se voiler la face. Hein. Il va y avoir des émeutes dans toute l'Europe. Hein. Ça va être franchement le bordel dans toute l'Europe. Pas qu'en France. Voilà. Et donc, ben, accrochez-vous les amis, parce que là,
Voilà, ça va fuser quelque part et puis ça va faire mal. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je voyais Macron partir. Et je serais pas surpris que voilà, il essaye d'aller d'être président de l'Union européenne. Mais moi, j'y crois pas trop. Hein, voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous dire quand même ben, bon courage à tous. Hein, maintenant, faut qu'attendre que les choses se fassent. Et puis, ben, vaille que vaille, hein, on va jongler, quoi, on va manger, quoi, en Europe, on va manger. Hein. Je sens que la soupe aux cailloux, on va y avoir le droit. Hein. Et dans toute l'Europe, hein. Il n'y a pas qu'en France, hein. Je vous le garantis. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage.